Bonjour, c'est Gunther et bienvenue pour une présentation du package spécial 14 juillet d'Armored Warfare, l'AMX-10 RCR. Alors, RCR pour roues canon rénovées. L'AMX-10 RCR est un blindé léger français qui est utilisé toujours actuellement par l'armée française et qui est un véhicule de soutien, on va dire, qui était destiné avant aux divisions légères blindées. Donc ce n'était pas un char de combat principal, un MBT, mais c'était un char de soutien, un char léger, voilà, et surtout destiné à l'appui de troupes. Alors il a eu son heure de gloire en Afrique, puisque c'est un char qui a remplacé les AML-90 ou les ERC-90 Saguet, et qui est souvent déployé donc dans des zones un peu conflictuelles. Aujourd'hui, et surtout dans les opérations en Afrique qui se déroulent actuellement. Donc ce package initialement est sorti le 14 juillet, mais disons que suite aux événements, j'ai pas eu trop l'envie de présenter ça. Donc je le fais aujourd'hui. Donc ce package coûte assez cher puisqu'il coûte plus de 13 000 pièces d'or. Cependant, avec le char qui est magnifique, vous avez 4 millions de crédits et vous avez 30 jours de jeu gold. Voilà, donc où vous gagnez plus de crédits d'expérience. Donc, et puis l'autre chose, c'est que Armored Warfare, c'est actuellement le seul jeu où on peut avoir le plaisir de jouer des véhicules modernes français, et c'est, je dirais, quand même, ça vaut le coup. Donc c'est le premier tier 8 gold, on va dire, qui sort, et c'est un très bon tier 8, hein, on peut dire ça. Donc il a un bon canon, le canon de 105 mm, qui est un canon qui est issu de l'AMX-30, simplement il a été raccourci et allégé pour pouvoir rentrer sur un véhicule encore plus léger, puisque l'AMX-30 c'était un 30 tonnes et que celui-là il fait plutôt dans les 15 tonnes. Il a un blindage donc modulaire qui a été rajouté, d'ailleurs c'est l'une des particularités de sa rénovation, c'est qu'il a eu, il était rénové sur ce point-là. Qu'est-ce qu'il a d'autre d'intéressant? Il a ça. Ça lui permet de détruire ses missiles. Il a quelque chose qui lui permet de voir plus loin. Voilà, donc c'est un véhicule qui peut aussi scouter. Et enfin, bon ben, vous avez vu, il a un camouflage spécial, dédicacé et unique, et il a un joli Vive la France. Donc on va essayer de faire une partie. On a fait une partie précédemment que j'ai perdue, mais que j'ai gagnée d'un certain côté, puisqu'on est en tier 8, c'est moi qui termine le premier. Et vous voyez les tiers 9, comme d'habitude, qui, enfin certains tiers 9 qui jouent encore plus planqués que moi. C'est assez dramatique. Allez, c'est parti. Un peu long, c'est normal, il est 7h du matin. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? La MX-10 RCR, c'est un joli véhicule, mais ça me... ça m'excite un petit peu, parce que je voudrais bien qu'il y ait d'autres chars français qui apparaissent. Il y a toute la série des AMX-13 qui pourrait faire une très jolie lignée de chars légers.
chars scouts, hein, canon 75, canon de 90, et il y a même des chars autrichiens qui montent des canons de 105. Donc l'AMX-13 pourrait vraiment servir à la base d'une nouvelle, comment dire, voilà, d'une nouvelle lignée de chars français. L'AMX-30, il y a l'AMX-30, bah, puisqu'ils ont fait les modèles, il y a le modèle de démonstration, il y a le premier modèle, l'AMX-30 classique, il y a eu l'AMX-30 B2, il y a le char Brémus ensuite, l'AMX-30 B2 Brémus, qui est le char qui a été avec l'adjonction de... Largement, vite.
convoyeur, sabot. Identifiez la cible. Convoyeur, sabot. Chargement, sabot. La cible. Convoyeur, sabot. Bon, ben voilà. Partie terminée. J'ai fini. Bien. Résultat des courses. Ah, ça c'est le petit côté négatif du jeu, c'est que les entre la fin du combat et dans le garage, c'est vraiment d'une très grande longueur. Donc, une relative bonne partie, même on peut dire une très bonne partie. J'ai fait le plus d'expérience en JCE, j'ai fait le plus de dégâts. Et bon, ben ça c'est accessoire, mais c'est quand même sympathique, on a tout survécu. J'ai remporté un cadeau, donc c'est pas terrible, c'est du bronze. Hein. Le plus haut que j'ai été, je crois que ça doit être un gold, je crois. Après, les résultats sont un peu aléatoires, on peut avoir du gold, mais c'est quand même plus, vous voyez. Ah, j'ai des crédits gold. Et donc, j'ai un peu d'XP aussi. Une trousse de réparation, on peut avoir. Voilà, c'est tout ça, j'ai des canettes de bière, je sais plus quoi en foutre tellement j'en ai. Voilà, donc ça, c'est bon, c'est gagné. Donc, par contre, il faut que je le remette parce que, voilà. Je mets celui à 14 000 parce que je dépense pas. Je trouve quand même que c'est pas très réaliste. Donc le résultat. On disait. Donc effectivement, je fais de peu le plus de dégâts. Mais par contre, je fais plus de. Voilà. En soutien, je fais 11 en soutien. J'en détruis 4. Scout, 19. La réalité, les autres tirs lourds, voilà, ils font rien. En fait, si, ils font quelque chose, mais ils restent surtout à l'arrière. Et les autres, ben, ils scoutent que dalle. Donc, voilà, très bon scout, hein, ses capacités à voir loin, ça se voit. Donc, une bonne puissance de feu, puisqu'il termine premier. Et maintenant, enfin, en ce qui me concerne, j'ai rajouté des choses, mais une bonne cadence de tir qui lui permet de tirer souvent, et donc d'augmenter ses dégâts, et donc de terminer, de faire des choses intéressantes. Alors, au niveau des crédits, 183 000 crédits, c'est quand même pas négligeable, hein, voilà, ça permet de passer au-dessus. 19 000 XP, bah, c'est plus que pas mal, voilà. Et donc, bah, vous voyez, mon chef de char, s'il peut aller jusqu'à 999 999, donc il y est quasiment. Donc qu'est-ce que je pense de ce char? Bon, ben, outre le fait que le côté un peu cocorico, c'est assez plaisant, on a un char français, un char qu'on ne jouera dans aucun autre jeu. Vous avez des simulations de plein de chars, et c'est toujours des Abrahams, hein, c'est des Léopard 2, mais voilà, des chars qui voient vraiment le feu, qui ont vraiment des missions dans la vie réelle
comme la MX-10RC ou la MX-10RCR peuvent s'en vanter, il n'y en a pas beaucoup, parce que le Léopard, à part être vendu, il est vendu dans beaucoup de pays qui ne l'utilisent pas. Donc, s'il a été utilisé en Afghanistan par les Canadiens, je suis un menteur. Un très joli char, un très beau char, qui avec sa livrée un peu spéciale, mais... nous met un peu de baume au cœur, à nous les Français, et voilà, c'est un char qui est en plus dans la vie usuelle, dans la vie de tous les jours, dans la vie réelle, IRL, in real life, un char qui trouve son utilité dans notre armée et qui a vraiment un rôle important. On peut dire que c'est le cheval de bataille de certaines divisions, parce que c'est... voilà. C'est pour ça que j'attends avec d'autant plus d'impatience toute la lignée des AMX-30, AMX-30B2, AMX-30 Bremus, B2 Bremus, la AMX-40 qui n'a été qu'un prototype, la AMX-32 qui a été une version intermédiaire entre la AMX-B2 Bremus et, je dirais, la AMX-40, et puis, bien sûr, la AMX-52, c'est-à-dire le Leclerc. Le Leclerc rénové, et pourquoi pas le Leclerc avec le canon de 140 mm en tir 10, puisque je rappelle quand même pour certains que le canon de 140 mm, c'est un canon qui est franco-allemand, qui a été développé à l'Institut Saint-Louis, qui est un institut technologique qui a été monté par la France et l'Allemagne, et qui travaille sur des technologies militaires. Et donc, actuellement, le canon de 140 mm développé, c'est, je crois, l'un des rares au monde. Et c'est un canon qui est fonctionnel, donc oui, s'il y a un Léopard voilà, allemand, ça serait bien qu'il y ait un Leclerc français tir 10 avec ce canon de 140 mm, et voilà. Et je rappelle aussi que le Leclerc a un chargeur automatique, ce que n'ont aucun des autres chars, ce qui fait qu'il est plus petit, qu'il est plus difficile à atteindre, qu'il est beaucoup plus maniable, et qu'il donc... comme il pèse aussi 56 tonnes, ça veut dire qu'il est beaucoup mieux blindé. Voilà. Donc, cette petite présentation de la MX-10 RCR, R, roue, C, canon, R, rénové, pour vous dire, c'est un achat assez coûteux, mais qui en vaut la peine si on est français, pour soutenir, et pour les autres, si vous voulez avoir un excellent TD. Voilà, allez, à la prochaine.